Coucou les filles, bienvenue sur la chaîne DP tout simplement. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo broderie diamant de ma toile. Mais tout d'abord, avant de commencer, je tenais à remercier Sandrine et Gladys pour le merveilleux cadeau que j'ai reçu cette semaine de mon fils. Je suis encore toute chamboulée. Je vous remercie beaucoup les filles, ça m'a fait super plaisir. Bon là je pleure pas aujourd'hui parce que c'est bon, j'ai pleuré hier, toute la journée pratiquement. Donc ça va aller. Donc voilà, je commence avec vous. Donc j'ai pris ma pince et je vais faire les notes de musique. Notes de musique, ce sont le numéro 23. Voilà, donc j'ai pratiquement fini, il m'en reste pas beaucoup. J'ai fait des cases. Et donc voilà, après j'en prendrai un autre mais plus petit. Parce que celui-là c'était un 50 par 100 et... J'en ai mis un à ma bibliothèque depuis quelques temps que j'avais repéré déjà, que je trouve super beau. Comme d'habitude, les diamants sont super bien taillés. Ce sont des diamants ronds. En barre de description, je vous mettrai le lien ainsi que mon code promo à valoir sur la boutique. Et en ce moment, vous achetez deux toiles et vous en avez une gratuite. Voilà. Si vous cherchez cette toile, elle est dans la catégorie des animaux et dans les tigres. Excusez-moi pour le sifflement de mon congélateur, comme d'habitude. Si vous y voyez pas, c'est pas trop de ma faute parce qu'en fait il pleut dehors, donc si je mets pas ma lampe je vais rien voir du tout parce qu'il fait pas beau depuis lundi, on a du mauvais temps. La semaine dernière on s'était cru en été et là on est de retour en hiver. Voilà pourquoi j'ai remis ma veste, parce qu'il fait hyper froid. Après cette vidéo, je continuerai seule et je vais trier mes perles. Parce que dans mon grand vanity, je vais mettre mes AB et mes diamants spéciaux. Voilà, comme ça sera réservé que pour ça. Un grand vanity où il y a 124 pioles. Et j'ai tout descendu hier soir. Croyez-moi, Jojo a descendu tout hier. La barquette où il y a les diamants ainsi que le vanity. Comme ça, je vais tout trier aujourd'hui et je saurai où sont mes AB et mes diamants spéciaux. Là ils sont un peu mélangés, quoi, du moins toile par toile, mais mélangés au fond, il y en a plein. Ça libérera de la place aussi pour les DP que j'ai fini. Dans la DAC, je vais enlever les deux diamants avec que j'ai. Je vais les mettre avec. Et qu'est-ce que je vais faire, un diamant spécial aussi? Ah oui, le mandala. Donc dans le mandala, il y a que des diamants AB. Et ce qui est bien, c'est que dans le mandala, ils ont numéroté les AB. Donc je sais les numéros à quoi ça correspond. Donc c'est ce que je vais faire sur mon vanity. Je vais mettre numéro 1 tel AB, numéro 2 tel AB, voilà. Comme ça je saurai. Et puis je pense coller sur les fioles un AB et un diamant spécial, comme ça je
je serai ski-atsu avec mon roller double face. Ça, je ne chercherai pas pendant des plombes. Ils seront mis dans l'ordre. Alors, sinon, quand vous dire aujourd'hui, mais je vais faire du diamant painting. Je vais faire mon triage donc de AV et de spéciaux. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je fasse tourner la machine. Et comme il pleut, je vais être obligée de l'étendre dans l'intérieur de la maison. Donc, pardon. Franchement, cette toile, ça aurait été un régal de la faire. Bon, c'est sûr qu'une 50 par 100, c'est très long. Hein. Mais bon, je la voulais, donc comme il y avait quand même pas mal de détails au niveau des herbes et tout ça, je voulais quand même qu'elle ressorte. Et comme je veux la pendre dans... Je vais la mettre, du coup, on a réfléchi avec mon mari, on va la mettre devant la porte, sur notre porte d'entrée. Je vais la vernir, découper la vernir et puis la mettre sur ma porte d'entrée. Parce que celle de Jonas, je vais la mettre en face devant mon bureau. Dans la chambre, mais face à mon bureau. Bon, lui, je trouverai un cadre. Bon, quand les magasins non essentiels seront ouverts, je pourrai trouver un cadre. 50 par 50, je pense que ça se trouve. Ou autrement, j'irai chez Leroy Merlin. Au Castorama, ils en ont aussi, donc voilà. Mon stylet, chouchou. Bon, j'ai l'autre chouchou Harry Potter, mais en fait, je vais juste le laisser à ma collection. Il faut que je me trouve une figurine Harry Potter. Parce que ça, j'en ai toujours pas. Que je m'en trouve une. Je mettrai avec mon stylet noir, ma barquette noire avec les armureries de Harry Potter et voilà. Donc, comme j'ai déjà tous les DVD, si j'avais une pièce, je me serais fait un coin Harry Potter, mais bon, j'ai pas de pièce. J'ai pas de pièce à moi pour faire du DVD, donc voilà. Pour le moment, je fais comme ça. J'ai aussi un très grand DP à faire de Harry Potter de chez Amazon. Par contre, ce sont des diamants carrés, donc je ne sais pas ce que ça vaut du tout. Quand je l'ai commandé, j'ai pas vu que c'était du diamant carré et il est grand. Donc voilà, Walou, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a un intrus là. Je vais l'enlever et le mettre dans
Ma fiole. Je tenais à remercier beaucoup mes abonnés parce que j'ai augmenté. Je suis à 273 abonnés. Je suis super contente. Merci beaucoup. Jonas s'est installé son petit coin pour son DP aussi, pour ses DP. Mais bon, comme là, il a pas mal de devoirs à faire, vu que c'est la reprise lundi, puis ils en ont redonné d'autres, donc il se consacre à ses devoirs. Parce que bon, pour moi, l'éducation, les devoirs, c'est important. Après, quand on a le temps, on fait ses loisirs, mais quand on n'a pas le temps, on fait les devoirs. Il le sait, donc là, il est dans sa chambre en train de les faire. Après, je vais lui dire de descendre. On les fasse tous les deux, comme ça je contrôle ce qu'il fait, s'il n'y arrive pas, s'il y a des choses à lui expliquer. C'est comme envoyé à sa tablette, j'ai toujours peur que monsieur Fent et maître YouTube au lieu de travailler. Parce que là d'ailleurs c'est bizarre, je l'entends chanter, je crois pas qu'il fasse ses devoirs, je crois qu'il est en train de regarder une vidéo parce qu'il chante. Quand il chante, ça veut dire qu'il ne fait pas les devoirs. Hein. Parce que quand il fait les devoirs, il ne chante pas. Hein. Donc à mon avis, il n'est pas en train de faire ses devoirs. Il est en train de regarder YouTube. Donc après, je vais aller voir. Je vais descendre et on va les faire ensemble. En espérant que la reprise se passe bien. Alors lundi, il y a Axel qui reprend le lycée et Jonas qui reprend le collège. Ça avance bien, je pense que vous y voyez. Après j'éteindrai la lumière comme ça vous y verrez mieux. Une série quand j'aurai fait le repas, je regarderai une série sur Salto et je continuerai mon DP comme ça. La télé, c'est rare maintenant quand je la regarde. Je me mets sur Salto, je regarde les films qu'ils proposent ou les séries et je regarde, je mate ça. La télé, depuis quelques temps, je l'ai un peu zappé. Ou je regarde les chaînes YouTube qui m'intéresse. Et j'en ai pas mal. Comment si vous voulez ce stylet et la barquette assortie si vous voulez. Vous tapez sur Facebook Alison Lefebvre et après vous dirigera vers sa boutique. Elle a une boutique sur Facebook. Voilà. Donc
c'est de bons bons produits. De toute façon, je vais faire une vidéo où je vais présenter mes stylets et mes barquettes. Comme ça, vous verrez. Bon, il y en a une que je ne veux pas montrer parce que je l'avais achetée. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que je m'en servais pas. Donc, je vais l'offrir à une personne qui vient de fêter son anniversaire. Donc, si vous ne la voyez pas, c'est normal. Elle était dans mon unboxing, mais elle ne sera pas dans mes vidéos de présentation parce que je ne veux pas qu'elle ait la puce à l'oreille. Quoique je peux la présenter et je ne lui dirai pas laquelle c'est. Comme ça, elle ne saura pas. Voilà. Comme ça, je vais trier tous mes stylets, toutes mes barquettes et je vais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. Et ma collection s'est agrandie quand même. Hein, de stylets et de barquettes. Bon, bien sûr, on achète beaucoup de choses, mais on a toujours nos préférences. Comme moi, j'adore le rose, celle-là, celui-là, j'adore. Excusez-moi. Donc voilà, on a toujours nos matériaux chouchous. Moi, j'aime bien les pinces. Les pinces des broderies diamants, je les adore, elles sont super bien, elles sont super pointues. Elle pince bien. Les stylets, c'est pareil, de Yves Rodry Diamant. Moi, je m'en sers beaucoup pour les diamants spéciaux et l'embout pour la précision. Mais je m'en sers beaucoup pour les diamants carrés, quoi. J'ai quelques diamants. J'ai quelques toiles en diamants carrés. Et pour la précision, je trouve que le stylet Yves Rodry Diamant, l'embout pointu, là, fin, est super bien pour la précision. C'est équivalent à une pince. La pince, c'est sûr que bon, à force, vous avez quand même mal au doigt. Donc, le stylet comme ça, c'est bien, ça repose. Ça a tendance à reposer quand même les doigts, parce que bon, la pince, c'est vrai que ça fait mal à force. Donc, voilà pour ça. Cassou, non, deux fois. Un paquet d'os, toi, je sais pas si tu as été les récupérer ou ces os, mais t'as un paquet. Hein. C'est où tes nonos? Oui, c'est oui, nonos. Après, je vais faire des spaghettis avec un steak haché, et puis les garçons, spaghettis avec saumon fumé parce que bon, ils adorent ça. Parmesan, fromage râpé. Donc pour fromage râpé pour Jonas, c'est fichu parce que Jonas adore le parmesan et déteste le fromage râpé. Allez savoir pourquoi. Depuis tout petit, il préfère les pâtes sans fromage râpé. Donc là on s'adapte. Hein. Je ne mets pas de fromage râpé quand je fais les pâtes. Chacun se sert comme ça. Jonas ne supporte pas du tout. Soit même si vous lui mettez du fromage râpé, il arrive à le trier. Ah, il serait pas comme son frère, faire chauffer le fromage dans le micro-ondes. Ça c'est sûr. Jonas, c'est pas très fromage. Il est plus chocolat. Ça, chocolat, ça rentre bien dans sa bouche. Tandis qu'Axel, il mange de tout. Pas difficile à part les légumes. Bon, il y a quelques légumes qui passent pas, mais pour moi il n'est pas difficile. Mais Jonas, il devient difficile. Alors j'imagine même pas ce qu'il doit pas, il doit pas beaucoup manger au collège parce que
quand il me dit le soir, j'en ai pas mangé, j'en ai pas mangé. Mais t'as mangé quoi? Ben mon pain déjà, c'est déjà pas mal. Ou alors, il se sert et quand il n'en veut pas, il colle à Camille. C'est une copine de collège. Il lui donne. Et comme elle mange tout, elle ne sait pas prier. Hein. Je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis, on va se laisser pour aujourd'hui. Alors, hop, je coupe la lumière là. Tac. Voilà, j'ai fait tout cela. Je pense que vous voyez bien. Voilà, j'ai fait tout. Là, je suis en train de faire, en fait, le ventre, tout ça du tigre. Elle va être super belle, cette toile. Il me tarde vraiment de l'avoir pendue sur ma porte. De toute façon, je pourrais pas trouver un cadre si grand, à mon avis, à moins d'en faire un sur mesure. Mais je peux continuer un petit peu. Dans le noir, c'est pas facile, mais bon. Voilà. Il y a de jolies couleurs, un joli dégradé de bleu, tout ça, j'adore. Vraiment, elle est vraiment très bien à faire. Quand je l'ai vue, j'ai flashé quand je l'ai vue sur le site. J'ai dit directement, il me la faut. Donc j'ai dit celle-là, je vais la prendre. Bon, après la prochaine que j'ai choisie, ce sera une 50 sur 50, je crois. J'ai pas pris trop grand. Que je veux un peu reposer mes neurones parce que quand même ça fatigue des grandes toiles comme ça. Voilà. Surtout quand vous voulez que ce soit pas trop long, là ça fait quand même un petit moment quand même que je suis dessus. Donc, la prochaine fois je prendrai une petite toile. Et après, je repartirai simplement sur une grande, je vais voir. Ils ont plusieurs toiles qui sont super belles, qui me bottent. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification et surtout n'oubliez pas, restez connectés. Bye bye!